Bonjour à tous. 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 Un an déjà que j'ai repris ma chaîne. Le temps passe vite. Le 23 mars 2022, j'ai relancé ma chaîne officiellement une deuxième fois. J'ai trouvé que c'était le moment idéal pour faire une sorte de FAQ sur ma chaîne. Ça fait déjà un an. Il y a eu énormément de vidéos qui sont passées entre temps. C'est peut-être une vidéo avec moins de concepts que les dernières, mais on reprend un peu plus tranquillement parce que là, c'est vrai que ces dernières semaines, il y a eu de grosses vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma dernière vidéo, elle vous a énormément plu. C'était la chasse aux œufs, je vous la mets juste ici. Donc voilà, là ça va être une petite vidéo où je vais répondre à quelques questions. On va voir un petit peu ma chaîne YouTube. Quelle a été ma vidéo préférée à tourner? Alors là, c'est très difficile, mais je dirais une de mes préférées. Bah en fait, mes préférées, c'est celle que je tourne avec des gens. Je trouve ça bien, il y a une bonne ambiance dans la vidéo et je trouve ça super cool justement. Et du coup, je dirais c'est mes vidéos, c'est les vidéos avec des personnes que j'ai tournées. Donc il y en a eu quelques-unes déjà jusqu'à présent. Quelle est ma vidéo dont je suis le plus fier? Jusqu'à présent, pendant ces un an, et bien là j'ai direct une vidéo qui me vient en tête et ça me paraît logique, c'est la vidéo chasse aux œufs avec ma maman. Parce que c'est une très grosse vidéo, c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps de montage. Coordonner toutes les vidéos c'était très compliqué, surtout que j'avais que quelques heures pour faire le montage. Je peux vous dire, ça m'a pris 4 à 5 heures de montage, je n'en pouvais plus. Et je suis super content du rendu, ça rend super bien, je suis trop content. Alors, une autre question, est-ce qu'il y a eu des améliorations pendant ces 1 an? Et bien évidemment que oui. Je pense que ça se voit rien qu'au visuel de la chaîne, si vous regardez les miniatures de l'époque par rapport à celles de maintenant, on voit qu'il y a quand même un glow-up des miniatures. J'arrive à beaucoup mieux détouré, enfin franchement c'est beaucoup mieux. Niveau montage c'est la même chose, vous pouvez regarder, les montages d'avant étaient claqués au sol, on peut le dire, mais bon c'est comme ça et c'est normal, il y a toujours des choses à améliorer et là je pense que je suis dans le bon. Et pour cette dernière question, est-ce qu'il y a des projets pour le futur? Des projets, je dirais non, mais des grosses idées de vidéos, ça oui, j'ai des grosses idées de vidéos qui sortiront d'ici les prochaines semaines. Il va probablement y avoir une vidéo depuis le temps que je vous en parle, je suis en train de préparer ça sur mon petit bloc-notes, je note un petit peu les idées. C'est une vidéo dîner presque parfait, j'ai cette idée depuis tellement longtemps et maintenant je veux le faire. Donc ça déjà c'est une grosse vidéo qui sortira d'ici les prochaines semaines. Et aussi une des vidéos qui vous a le plus plu sur cette chaîne, le vlog au doudou 2022, elle a fait plus de 1000 vues. Et ben je compte le refaire cette année en filmant et avec de plus gros trucs, enfin ça va être ouf. Là j'ai vraiment beaucoup d'idées pour cette vidéo. Et après bien évidemment il y a des idées de vidéos qui me viennent comme ça, mais je vous en dis pas plus. Abonnez-vous pour ne rien louper de toutes les prochaines annonces qu'il y aura sur cette chaîne YouTube. Et là, je pense qu'on va partir pour la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. D'ici les prochaines semaines, ça risque d'être incroyable. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui sont là depuis un an maintenant. Ou même plus, peut-être ceux qui étaient déjà là avant que j'arrête. En tout cas, merci à tous et j'espère que vous continuerez à me soutenir, que vous continuerez à regarder mes vidéos parce que j'ai énormément de trucs à prévoir. Allez, nous, on se dit à dans 2 semaines. Allez, salut! Merci à tous ceux qui ont été là pour me soutenir pendant ces 1 an. C'est grâce à vous que je fais tout ça, toutes ces vidéos. J'ai encore beaucoup de surprises à vous montrer, donc restez au rendez-vous. Allez, salut!